Salut tout le monde. Bon, l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode qui traite des os. Je tenais à clarifier certains points. Ce n'est pas parce que je présente une crypto-monnaie dans le shitcoin show que c'est une shitcoin sans avenir. Pour EOS, c'est un cas assez particulier. Je pense pas que cette crypto-monnaie soit vouée à l'échec ou soit mauvaise en tout point, mais il y a des choses sur cette crypto-monnaie qui me dérangent et je voulais en parler. Je savais que Sisif, un autre youtubeur crypto, comptait faire une vidéo sur EOS, et étant donné que je n'avais pas suffisamment de dossiers pour rédiger un shitcoin show, je me suis dit que ça serait mieux de faire la vidéo sur sa chaîne en featuring. J'ai une petite partie de 4 ou 5 minutes sur la vidéo, le lien est dans la description. Ne soyez pas trigger les fans d'EOS, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Commencez pas à dire que je suis un rageux parce que j'ai raté l'ICO ou je sais pas quoi, j'en ai rien à battre des ICO. Écoutez d'abord ce que je dis dans la vidéo avant de venir cracher dans les commentaires. C'est plus une critique de la centralisation que d'EOS en lui-même. Désolé Alexandre Capeta, j'espère qu'on restera toujours amis malgré cette vidéo. On reste QLF les Rey. C'était Decrypt, paix sur vous.